Alors moi c'est Delphine, je suis ingénieure agronome et docteur en biologie, je suis ingénieure de recherche et responsable des laboratoires chez Green Tropisme. En tant que responsable de laboratoire, moi je travaille vraiment le côté recherche et développement, donc tout ce qui est expérience sur des échantillons vivants, du coup de biologie, donc vraiment au sein des laboratoires de Green Tropisme. C'est vrai que chez Green Tropisme, j'ai la chance de travailler sur beaucoup de choses différentes, en fait des projets très très variés. Du coup, une routine en fait qui est presque inexistante finalement, puisque chaque jour est différent de la veille et du lendemain. Et en ce moment, par exemple, je travaille sur la détection de pathogènes en spectroscopie, et c'est quelque chose qui est vraiment super passionnant. Depuis mon arrivée en août 2020, donc au départ, j'ai commencé par faire des expériences un peu chez les collaborateurs, les clients. Ensuite, j'ai eu l'opportunité de partir à Singapour, donc pareil, dans le cadre de mon projet de détection des pathogènes, donc pour faire vraiment des expériences là-bas en partenariat avec un laboratoire sur place. Et ensuite, on a décidé de créer notre propre laboratoire. Et donc, du coup, j'ai participé à cette création, puisqu'en fait, on partait de locaux vides qu'il a donc fallu remplir, designer, donc déterminer quels équipements mettre dedans. Et depuis quelques mois, donc je travaille au sein de ces nouveaux locaux pour le projet de détection des pathogènes.